En tout cas, je trouve que l'histoire est plutôt cool. Ouais. It would seem like it. Who are you? Ouais, faire de là, c'est des gros cons, va. Ok. Ah, il a atteint. Ok, alors là. Oh l'enculé, ma petite. Where did you just come from? Are you crazy, man? Bah oui. Your father's worried about you. I shouldn't have used the radio. I'm sure they heard us. Who? We have to get out of here. Run! Let's get out of here before we're caught. Ah, ils étaient cachés, ils voulaient faire une surprise. Ah ouais, mais je vois rien, donc c'est cool. And hide? Like he does? I hate rat meat. No one can survive eating rat meat. I wanted to look for some food, but they surprised me because... Because you let your emotions take over and went to visit your mother. Isn't that right? My mother? My mother is... No. No. How do you know? Shit! Here they come again! Run! Run as fast as you can and don't look back! Oh bah j'aimerais bien courir, ouais, mais il me laisse pas. Sérieux, mec. Ah, c'est ça la mort qu'on a? Mais c'est qui ces fils de pute là? Mec, mais cours! Oui? D'accord. Ouais, mais je vois pas trop là. D'accord. De toute façon, là on est en sécurité, donc voilà. Est-ce que si je tape le... Oh là 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 là. Mais prends-le. En tout cas, le jeu est stylé. Le jeu, il est stylé. Oh, Randall, t'es un fils de pute. Je suis désolé de te dire ça, mais ta mère, une vieille catin. Et là, t'as l'hélico qui va revenir. Bah non, c'est pas vrai. L'ennemi, vous l'avez pas repéré. Putain, il m'a tenté les enflures. Monte, mais putain, je lui ai même pas dit de faire une village. J'avais des fois, j'ai envie de pleurer. Allez, ouais, en fait, il fallait pas rusher comme un gros bâtard. Vous voyez, il fait une roulade alors que je lui ai même pas demandé d'en faire une. Bizarrement là j'en ai pas besoin, mais je vais en avoir besoin après, sauf qu'il n'y en aura plus. Bah ouais, avant. Je suis vieux moi. Attends, attends mec. T'es sérieux là? Bon, ça fait stylé, ça fait stylé. Vite, allez, allez, allez.
Putain, mais le mec, mais t'es sérieux, mon gars? T'es full. T'es full endurance et tu fais le vieux là? Regardez! Mais monte! Ah, le saut de la misère. Mais le mec, il veut plus courir, sérieux! Et je vous jure que j'utilise bien les touches, mais je sais pas pourquoi il y a des bugs là, ça m'énerve, vraiment ça m'énerve. Allez, regardez par exemple là, il est qu'à 15 ans alors que d'habitude il en met même pas 2 secondes. Là, regardez, il met 15 ans. Allez! Oh putain, mais mec! Bras cassé, vite dernière ligne. Eh ben non, c'est pas vrai. Vous savez, des fois, hein, pas tout le temps, j'ai envie de violer sa carcasse à ce mec. Des fois je suis con aussi. Des fois c'est vrai que je suis bête. Mais ça c'est que moi, ça c'est. C'est parce que voilà, c'est moi. Ça va te crever, mais normalement je devrais couper ça au montage parce que là ça fait trop. Okay. Il a aucune chance, il se fout de ma gueule. Tu l'as trouvé vivant, le gars. Mec. Mais. Je vais aller tuer 2 personnes là. 2. Bah, je me suis couvert. Oh. Ok, bon, bah. Merci. Eh, niquez vos races, ça c'est bon. C'est l'humanité, elle a été. L'humanité est éteinte, mais le truc est pas, ils arrivent à trouver le temps pour te buter toi, quoi. Mais c'est vrai, c'est stylé, hein, ça fait vraiment. Bouge-toi, mon gars, bouge-toi, tu te fais tirer dessus, d'accord, t'as pas le temps de proposer. J'ai trouvé une hache de pompier, bah ouais, parce que la fille de pute n'a pas voulu me la rendre. Rendre, pardon. J'ai pas le temps pour vous. De toute façon, les zombies savent pas ouvrir une porte. Mais ils font des trucs, ça prévient pas, quoi. Bah, je sais que je suis nul, mais c'est pas grave. Allez. Bah dégage. Bah. Allez, ferme-toi, voilà. Je sais que ça sert à rien de la fermer, hein, mais bon. Non. Dire le vite. Oh, la chatte que j'ai eue. Y'a pas un jour où vous avez plus de munitions, un truc comme ça? Mec, c'est bon, t'as déjà une hache, bordel. J'ai rien caché. Enfin, salut. Are you hurt?
Why the hell did you run off? I'm fine. I know my way. They're trying to kill you, kid. Think about that for a second. Let me help you get home. What's the fastest way underground from here? There's a sewer portal on the other side of the park. Oh non, putain, pas les souterrains. Then let's go. Run for it. Bah tu dis ça, mais c'est toi le plus lent. Mais là, regardez-moi ça. Le mec, il monte ça en 2 secondes. Mais par contre, un foutu grillage, non. Oh, une sale gosse. My sweet Lydia. Le voilà, on va dans un pays attaché de soins en pendanture pour son ami cœur de ma fille. Oh, c'est ce mec que tu m'as montré. Ah, bien. Une page perdue de mon journal. D'accord. Where have you been? Help me. Shit. What the hell's the matter with you? Why didn't you shoot? They almost killed me, dude. My daughter. I'm sorry, I oh, on avait pas tiré mon cul, ouais, c'est pas. Only the shadows behind you. Let's go through here. The rat knows that you won't get out of here again, boy. I'll punish you. You'll learn to behave yourself. I discovered where your friends are. They were taking them to the stadium just a while ago. To the stadium? In the beginning, it was the safest place in all of Seattle. Even more so than the Space Needle. A fortress of high cement walls protected by the military. But today, they've made it into one more horrific ring of hell. And what about my wife and daughter? What about them? I looked and listened hard. I couldn't find any trace of them. If they have been captured by these men also, your friends may know. I need to go now. I've lost too much time already. Be careful, Mr. Wayne. Those men are dangerous. Ouais, Mr. Wayne, tu me rends mes fusils là, enfin mes fusils, mon flingue et ma hache là, et s'il te plaît. Le mec m'a pris mes armes, mais rends-les-moi, espèce de fils de pute. Sérieux, mais mec, c'est pas possible. Sérieux, sérieux, sérieux. Défonce-le, voilà, dégage. Voilà, il m'a mis un coup gratos. Mais mec, mais d'habitude, en fait, si vous poussez un zombie, ça fait ricocher sur l'autre. Là, non, bah là, ils sont là, ils se lâchent des esquives entre eux, on sait pas trop. Oh, ça m'énerve, ça. Le mec m'a pris mon flingue, mais normal, quoi. Putain, fils de pute, va. Ta gueule. Ta gueule, je te dis. Tiens, en plus, je garde un zombie avec moi. Voilà. Voilà, comme ça. Putain, mon cul, ouais. Mais sérieux, pas avec le Jean-Pierre, espèce de débile. Espèce de putain, là. Rien à foutre. Vous m'avez trop énervé, les zombies. Ah non. J'aurais pu économiser mes balles, hein. Mais là, non, il fallait que je suis du zombie là. Parce que ça m'énerve vraiment, je veux dire, c'est du n'importe quoi le truc. Il nous prend notre flingue et il nous le rend pas, quoi. Voilà, je veux dire, là, il nous l'a rendu, quoi, dans le jeu, mais c'est chiant quand même. Salut.
Ah, lâchez-moi. Ok, elle est morte. Voilà. Allez, on passe. Pas de munitions pour recharger. Secret trouvé. Ok. Bon. D'accord. Ok. On progresse, on progresse. Comment dire? Ça a servi à rien tout ça. Ok. J'ai eu plus de munitions, ça fait plaisir. Ouais, j'ai un chargeur plein, donc ça va. Allez, viens des. Vous ne m'aurez pas, vous ne m'aurez pas. Jamais. Non. Oh non, faut passer par en dessous. Notre moyen. Ah bah en haut, tiens. Vous voulez passer en sécurité, mon garçon? Non. Tac. Non. Tac, tac. Hop. Vas-y, repose-toi, tranquille, la famille. Ils sont partout par milliers sur le Fiesta, non, en vrai c'est viable. Dégage. Voilà. C'est pas grave, venez. Attends, quoi ?
Mec, mais je vais vous faire les fesses. J'ai plus de balles. J'ai fait ça, mais non, il a plongé sur l'autre gars, sérieux. Vous avez vu, hein, c'est pas moi, what the fuck. D'accord. Donc. Bah, ce cube, tu peux le prendre, non? Non. D'accord. Ah, ok. Ah, d'accord. Bah, là, je suis débile. Ta gueule. Non. Je ne trouve pas du tout. Non. Sérieusement. Mec. Bon, on fait ça vite. Donc c'est un truc sur lequel on s'accroche comme ça. Voilà. Come on, leave him alone. We'll take care of him soon enough. He's just a poor old man. That jackass says the real military will save him. Who does he think we are? Well, poor old man hit me. This isn't the end of this. You hear me? Et voilà, il s'est fait casser la bouche encore une fois. Ok, on passe. J'en ai rien à foutre. Bon, vous avez le temps de lire. Je pourrais mettre pause. D'accord, l'autre il se fait dévorer, tranquille la famille. Rejoins-le, espèce de fils de pute là! Sérieusement, tu vas faire tout le tour, sérieusement! Mec, c'est du foutage de gueule là! Oh putain, ça fait plaisir! Oh là là, ça fait plaisir! Bon bah Ben, tu vas mourir, hein, salut. Tu es mort de toute façon, c'est bon, personne ne t'aime. Sérieusement, j'ai eu un fusil à pompe, mais j'aurais pas dû foncer, c'est vrai. J'aime bien comment ils trouvent les armes à chaque fois, c'est stylé. Genre en mode... chargé. On y va. On a combien de munitions de... Excuse-moi. C'est un fusil à pompe, hein. C'est pas un pistolet à billes. D'accord. Alors tu meurs. Bah oui, passe. Bah, passe, wesh. Mais non, il est con ou quoi? Il veut pas passer le mec. Regardez, il veut pas passer. Ah d'accord. Il me faudrait juste une petite trousse de soins, s'il vous plaît.
Lâche-moi, mais lâchez-moi, bordel, vous m'aimez trop. Mort. Je suis mort, ouais. Je suis mort parce qu'en fait, je sais pas quoi faire. Je suis désolé, je fais de la merde. J'ai vu que tu pouvais faire ça en plus, mais je sais pas. J'ai abandonné l'idée vite parce que j'étais trop loin. Allez. Now those crazies use it to store the supplies they steal. Come on! J'ai accroché là, là, comme ça. Sérieusement? Ok. Là, venez. On prend plus à pompe, on sait jamais. Stop. C'est vrai que c'est trop abusé quand même, faire tout ce tour pour juste voilà quoi, juste pour ça, pour trouver un petit passage, mon gars, faut arrêter les conneries, sérieux. They are the food supplies that I was keeping in the shelter and that the soldiers of the city defended with their lives. Now these rebels have their will. C'est bon, tu es en vie, tu es en vie, tu es pas mort. Fox, wake up. What happened? They knocked you out cold. I think I gave as good as I got. I told you I'd meet back up with you, didn't I? They took Stella, Andy. They're crazy. They're rebuilding by force. They're killing anybody that doesn't fall in line. What about my family? Have you seen them? I haven't seen anybody. They strung me up when I wouldn't go alone. They took Stella somewhere else. Some kind of home base. If they've got your family, that's where they'll be. What about the safe point? It's all a lie, Randy. There ain't no safe point. They're just using it to round people up and take them somewhere else. Then we have to get out of here. We have to find them. Let's go, buddy. I don't have the strength. You have a pretty deep cut, and you've lost a lot of blood. Look, Randy, it's a Christmas present. You won't be able to fly in this condition. Need to stop the bleeding. You'll have to wait for me here. I need to look for something to fix up those wounds. Today is my lucky day. What are you talking about? Even someone like me would believe in God on a day like today. Look behind you. No, un hôpital, bah bien sûr. Sit tight, Ben. I'm gonna get you some help. D'accord. I'll be back as quick as I can. Eh bien voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et je vous dis à la prochaine pour l'épisode 3. Peace.